coup. On est guerrier poubelle. Sur les bousculades, ok? On essaye que tout le monde ait un... Personne prend trop de place, ok? On essaye de laisser un espace convenable à chaque autre personne, d'envahir l'espace personnel, que tout le monde soit confortable. C'est cool pour tout le monde? On s'appelle Guérilla Poubelle? On vient de nulle part, putain de merde. Ça l'est pertinent, ça l'est en raison. À te traiter,
Hey, merci à fond la caisse à la famille. Sans déconner, faites gaffe à vous, laissez passer les plus petits devant et faites attention au reste de la famille. Merci beaucoup. La prochaine chanson, c'est une chanson féministe. Pas mal, merci. Souvent, je dis ça, et il y a un vieux blanc avec un gars ou une fille, mais souvent même une fille, au fond, qui fait « Oh non !» Mais là, il y en a forcément, parce qu'ils sont au moins 6000 ce soir, mais on les a pas entendus. Vu la quantité d'imbéciles heureux et d'imbéciles heureuses qui sont là ce soir, il y en a forcément quelques-uns qui ont quand même un avis un petit peu déplacé sur l'égalité. C'est pour tous les garçons, c'est pour toutes les filles, c'est pour tous ceux qui se sentent confortables quelque part entre les deux. On n'est pas obligé d'être bloqué dans des carcans comme ça tout le temps. Nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Fils et filles des sorcières. Let it be true.
sait peut-être pas de plus de ce qu'on est coupable. D'être rien ne remplacera juste rien sur nous. Et pas moi, c'est pas égal. C'est pas si ça soit populaire. Toujours planté dans le sable. L'amitié, mon frère de frère. Elle est fils du chaque savoir. La vague est ma gauche. Chaque savoir. Merci. Et regarde-moi ce gros malin qui slame entre deux chansons. Si je peux avoir un peu plus de chant en tour, s'il te plaît, dans mon retour. Il a fermé les yeux, couru la scène et fait, j'avais eu confiance en. J'ai appris à avoir faim, elle a appris à me parler, parler en pensant à rien. Il a marché au pas, mais il fait tout pour les soins, dans les temps de pensée. J'ai appris à encaisser, ma responsabilité. We'll be right back.
Merci. Eh, sur deck, je vais pas le dire entre tous les morceaux, les copains, les copines. Faites gaffe à vous, arrêtez d'être super relou. C'est un concert de guerriers à poubelle. C'est vraiment pas un concert de relou, ok? N'oubliez pas, vous avez trois espèces de... Il y en a quatre parce qu'il y a Joe Coco ce soir. Vous avez quatre guignolos ridicules qui gesticulent devant vous, mais nous, on voit juste 700 personnes se taper sur la gueule. Ça fout vraiment le moral à sec. Essayez d'être cool, vraiment. Soyez cool entre vous. Je vous en supplie, putain de merde. Sinon, on jouera plus jamais dans des salles comme ça. C'est notre 1000e concert. Ça fait depuis le premier concert que ça pète les couilles, sans déconner. L'amour, mon pote, c'est pas avec les coups de coude dans les gens qui sont devant toi. Je l'espère, mon pote, je l'espère. Je vais une vieille chanson du coup. Du pupitre, du pupitre. Comme j'ai 70 ans, que j'ai pas mes lunettes et que je connais pas les paroles, et j'en ai plus rien à foutre. C'est vrai, c'est surtout cet argument-là qui est important, je crois. Eh, je sais pas où le mettre, ça s'utilise comment? Ah là, c'est assez près pour papy, là, c'est bon. Allez, hashtag c'est pas beau de vieillir. Ah putain, il y aura des photos sur Twitter, là, pour... Ah mais si les gens sont assez cons pour passer leur temps à poster des photos sur internet au lieu de profiter du concert, c'est pas notre problème. Oups. N'oubliez pas, on a parlé de consentement tout à l'heure dans une chanson. Le consentement, c'est aussi demander aux gens si ça leur pose pas des problèmes de les foutre sur internet. Il y a des gens peut-être qui ont pas envie d'être vus dans des lieux publics. Essayez vraiment de faire gaffe, on est en train de s'auto-fliquer tous les uns les autres. Une vieille chanson, on l'a jouée la dernière fois avec... ce bon vieux semoule à la batterie en 2005. Ça s'appelle Mon rat s'appelle Jula. Votez pour lui, votez pour moi, puisque sa chambre ne m'en est pas. Faire confiance plutôt que la vie ne l'intéresse pas. Oui, je l'ai fait pour écrire que sa chambre qui s'écoute pas. Mais que t'es bien noté. I'm not even sure if it's a good thing.
vous en enchaîne quelques-unes des bien vieilles. Passer les tours de passé, qu'on n'aura pas dépassé. On dit que tu es à l'enfer, triste si ça en a pas l'air.
plus jamais celle-là. L'amour est un chien de l'enfer. Chaque minute d'attention est tournée. Chaque personne est venue finalement pour un temps de paix. Je ne porte pas plus à chaque gorgée. Ça va Anto, il t'embête pas trop mon pote Jacoco? Alors toi, sécurité? Il a dit que le dessin de mon pote était pas terrible. Faut juste que tu t'expliques avec les 699 autres personnes du jury qui sont pas du même avis que toi. Ça va bien se passer. Hein. Moi non plus, j'ai jamais vraiment aimé comment il dessinait Jococo de toute façon. Il ne dessine pas, il s'exprime. Il a jamais aimé nos chansons non plus. Yeah.
na na na. Potager une chambre mars, noyer tous les films dans la scène. Pas dû arrêter de voir ouvrir les cages des animaux. Pas dû sourire les veines. Pas dû sourire les mots. 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 Salut! Hey Paul, tu viens de te faire lui à peu près autant que le mec qui a clashé Joe Coco. Hey, vous préférez le bouffon qui a mal parlé de mon pote ou Paul? J'ai pas fini. Ouais, juste Joko, il est pas trop d'accord pour qu'on arrête le concert maintenant. Il a un dessin à finir et du coup il est pas prêt là. C'est pas grave, on recommence du début. Il demande à ce qu'on le respecte. C'est légitime. J'y pensais. Je peux faire baisser ma cote de popularité. J'ai juste profité de ce moment pour parler de dépression, de crise d'anxiété, de pensées suicidaires. On est pas mal nombreux et nombreuses ce soir. Il y a des énormes probabilités, d'après mon expérience personnelle et celle de mon entourage, qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui passent au travers d'épisodes comme ça en ce moment. Cette chanson, la prochaine chanson, elle est pour vous. Elle est pour vous tous, elle est pour vous toutes. Vraiment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je sais que c'est pas facile, je sais que la majorité de ce monde dégueulasse à l'extérieur de cette soirée et pas tout à fait réceptif à ces problèmes-là. On a tendance à minimiser ça, à stigmatiser ça comme juste des coups de blues, comme... Mec, tu vas vraiment fermer ta gueule parce que je parle d'un truc plus important que ta vie. Et tu peux sortir de cette pièce si ça t'emmerde. Y'a pas de problème. Je te rembourse immédiatement, viens là, tiens. Et tu sortiras sous les applaudissements. T'as la monnaie? C'est ça, embrasse ton pote parce qu'il doit pas avoir une vie facile s'il est pote avec toi. Ok, vraiment, parlez-en autour de vous. Quand un de vos proches, quelqu'un de votre entourage vous parle de ça, prenez ça au sérieux. C'est une vraie putain de maladie qui fait beaucoup de mal et dont on a vraiment pas l'occasion de parler souvent. Ce soir, essayez de vous sentir en sécurité. Essayez de vous sentir avec tous les amis qui sont là. Je sais, je suis très bien placé pour savoir que ça peut être un peu oppressant de se rendre à des concerts où il y a autant de monde, où il y a du bruit fort, où on est un peu dans le noir, on se fait bousculer. Je sais que c'est difficile de se sentir à l'aise parfois dans ces trucs-là. Même pour moi qui joue dans le groupe, qui suis sur scène, souvent c'est un petit peu étouffant. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir nous regarder en concert ce soir alors que vous passez au travers de ça. Merci beaucoup. Ça
ça s'appelle Carcassonne, putain de merde. Camarades cheminots, les camarades profs, ceux qui bossent dans les hôpitaux, ceux et celles qui bossent dans les hôpitaux. Pour ce putain de service public qu'on est en train de nous arracher. Nous sommes ceux qui ne sont rien. La réussite sociale se mesure à la torche à l'énergie. Mission vitale, se défendre de la guerre. Sommes ceux qui ne sont rien. Sommes ceux qui ne sont rien. Thank you.
devenu un shop de hipster. Tous mes potes sont partis en vacances. Je sais plus trop quoi foutre à cette heure. Toi et moi seul contre cette ville. J'ai l'impression de l'entendre pleurer. Toi et moi seul contre cette ville. Choisi ma famille, j'ai laissé des abcès en compote. Tous mes frères sont partis en exil. Toi et moi seul contre cette ville. J'ai l'impression de l'entendre pleurer. Toi et moi seul contre cette ville. À fond la pièce, merci beaucoup. Il y a Paul qui voudrait un petit peu plus de guitare, s'il te plaît. C'est merci. Alors si vous trouvez un portefeuille, c'est celui de Pauline. Si quelqu'un d'autre a perdu un portefeuille... Ah, là-bas, tu l'as perdu si loin que ça. Incroyable. C'est le bon. C'est pas capable de résoudre des problèmes comme ça. Y a des camarades de Toulouse qui sont venus filmer le concert ce soir aussi. Apparemment, ils ont perdu une GoPro aussi. Donc si quelqu'un trouve une GoPro, soyez cool. Parce que sinon, ils ont les images. Hein. Ils vous verront la regarder, la GoPro, chez vous, le voleur. Il nous en reste quelques-unes, merci beaucoup, c'est mortel d'être là. On joue pas souvent un samedi soir à Paris, on devrait faire ça plus souvent.
Ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas beaucoup de Parisiens et de Parisiennes. Hein. Je crois que ça, on a dit qu'on s'en foutait un peu. Sinon, c'est du racisme. On a l'impression d'être à This Is My Fest, tellement il n'y a que des amis de province. Merci beaucoup d'être déplacé de loin, de Belgique, de Suisse, de partout en France. Merci à fond. Vous avez tous vraiment un mal. Tout le monde n'a pas pu rentrer ce soir, on est vraiment désolé, on pensait pas que vous étiez assez stupides pour venir autant nombreux nous regarder faire ça. Et pourtant on avait pris large. On avait de la large l'air. On rejoue demain soir à Paris. Envoyez des textos à vos amis qui n'ont pas pu venir ce soir et qui avaient envie de nous voir et qui peuvent venir demain soir. On joue au centre vers Saint-Gétorix. Ça s'est fait un peu de dernière minute, dans des drôles de circonstances, mais on est très content d'être encore là demain. Pour ceux et celles qui veulent venir, vous êtes les bienvenus. Il reste quelques places, il y a des préventes sur les internets. Faites tourner l'info à vos camarades qui n'ont pas pu venir ce soir. Ça nous ferait plaisir de les voir demain et de refaire la fête. Merci beaucoup. C'est vrai ça. Hey, on a fait une setlist. Ceux qui nous voient souvent, vous savez qu'on n'est pas trop habitués à faire des setlists, c'est hyper spécial. Vous voyez le batteur, il a quand même des grands bras et des grandes jambes. Bon, il a fait une setlist encore plus grande que ses membres. C'est insensé. Je t'aime, Polo, mais c'est pas contre tes bras ou quoi. On avait dit pas le physique. C'est vrai. Mais bon, il faut m'attaquer sur d'autres trucs. Donc on va jouer une chanson qu'on n'a pas jouée depuis plusieurs années aussi. Elle est pour les Charlie Fiasco. Et elle est vraiment compliquée à chanter, il y a plein de wow, c'est trop aigu, n'hésitez vraiment pas à m'aider parce que j'ai pas du tout les capacités vocales pour cette chanson. Merci beaucoup. Elle est pour Franck qui a enregistré cette chanson à Montréal il y a une dizaine d'années. Ça s'appelle Pas de bonne raison, ça parle de pas arrêter de faire ça parce que c'est trop de la balle. Pas de raison.
C'est qui le putain de... Attends, je cherche une insulte inclusive. C'est qui le putain de banquier qui s'est cru en 2003 et qui fume une clope là? C'est trop l'enfer, arrête tout de suite, connard. J'en ai gaulé un, je lui ai dit en toute discrétion d'arrêter et il s'est exécuté dans la seconde, donc c'est peut-être sa cigarette qu'on sent encore. I'm
nos copains invités là. On en fait une dernière hein, avec ce bon vieux Olivier de Justine, Poésie Zéro. Et ce bon vieux Zuzu, ce bon vieux Romain. Charlie Fiasco, Zuzu, ça c'est le copain, il a enregistré notre dernier album. Si vous avez un groupe, vous devriez enregistrer avec lui. Si vous n'avez pas de groupe, vous devriez faire un groupe parce que c'est vraiment la meilleure chose du monde. Je vous le conseille à fond, la caisse, c'est trop de Laval. Ça a sauvé la life de plein de mes proches, de plein de mes amis. C'est vraiment important. Faites ça, je vous le jure, vous ne regrettez pas. Salut, tu veux te faire remarquer? T'as pas l'impression juste... Je sais, c'est un peu bizarre de dire ça quand Paul est en slip sur scène parce qu'il a chaud derrière sa batterie, mais j'ai l'impression qu'il se frotte à personne avec son corps à moitié nu. Il y a peut-être des gens que tu mets mal à l'aise en faisant ça dans un public de concert. Apparemment. Alors, non, juste... Ah mais ok, c'est un défilé en fait, d'accord. Hey, ça va vous? Vous êtes fils unique ou vous êtes trois frères un peu bizarres? En tout cas, j'espère qu'on vous dérange pas trop les gars. Hein. Vous faites ça aussi quand vous allez au cinéma, tu sais, pendant le film, les mecs ils montent, puis ils s'amusent à faire des tours comme ça. Allez, ciao les boulets! À la prochaine! J'allais parler de trucs hyper forts, j'allais presque pleurer en parlant de Charlie Fiasco et ces gros boulets en juste... Merci beaucoup, c'était Guérilla Poubelle. Merci à fond. Sur un texte de François Xavier.
Merci, merci. Merci, bonsoir.